Yop tout le monde, j'espère que vous êtes bien ici, auteur, et aujourd'hui épisode 2 sur The Lost Island. J'ai un petit problème. J'étais tranquillement en train de regarder mon téléphone pendant ce long périple, parce que c'est très très lent, très très lent. Et je crois qu'une baleine m'a attaqué. J'ai pris énormément cher. J'ai pris 15 000 de dégâts, j'ai perdu une armoire, mais bon, ça je m'en fous. Et je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je vais essayer de le faire venir. Viens. Wow! C'est quoi ça? Oh! Me suivre tous. Passif. Oh purée. Oh là 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 là. Venez, venez, venez. Eh, c'est horrible! Eh ben, elle est revenue. En plus, j'ai mis la... non, 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 non. Là, je vais me poser ici. Putain, j'y... Putain, j'y crois pas. Ah, oh, c'est vraiment des sales bêtes. Et... Elle est là. Et ça fait peur, hein. Mon tricé, tu viens vers moi. Et il est en train de suivre le radeau carrément. Allez, viens. Voilà. Donc. Ouais, bon. Me suivre tous. Et on va. Ah, ça va être super. Ouais, ça va être super chaud parce que ici, c'est à côté du volcan. Je vais pas du tout visiter. Hein. Je vais rien visiter. Même pas la jungle. Je suis passé à côté. On va s'installer. On va tam l'ankylo. On va tam. Des dinos, peut-être un mammouth, allez, pour faire du bois. Mais pas plus, on va vraiment pas tam, on va rien visiter, on va... Je vais faire ça quand j'aurai déjà ma base avec l'électricité et tout ça, parce que j'aime pas du tout... quand j'ai pas l'électricité et tout ça, je suis dans l'âge un peu préhistorique. On a perdu quoi? Du coup, on a perdu feu de... Ah non, le feu de... Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas cher à reconstruire. Je suis pas sûr de ce que je veux faire. Que disons qu'ici il y a des méchants dinos. Il y a Gaiminus. Donc on va rapprocher tout ça. Venez, venez. Viens. Viens. Ouais, monte. Me suivre. Eh hey, tu me suis? Pas bouger un seul. Allez. Non. Bon, tu me suis. Et c'est... Ça va être... ouais, très compliqué. Oh! Ok. Pas bouger un seul. Pas bouger un seul. Ok. Oh non, mon armoire. Putain, j'ai eu de la chance de passer par là. Hein. Mais non, c'est... Ouais, je sais pas. Tac. On va placer tout ça ici. Hein, parce que... Tac. Voilà. Allez, on est parti. Me suivre... Eh hey, mais c'est compliqué. Hein. Surtout que le gros, il est vraiment gros. Je avance. Hey. Peut-être que je répare le radeau, non, je sais pas. Allez. Et là, ça avance donc. On va faire ça. Oh, parfait. Oh, j'ai géré. Ok, donc c'est juste en face où je vais m'installer. Donc ça va pas être très beau. Et j'ai vu sur des photos et tout ça qu'il y a un château dans la neige, un château maya, enfin un temple maya,
Il y a pas mal de petites. Un phare, par exemple. Mais pour s'installer, j'aime pas. Et puis, après, il y a les îles, mais c'est pas vraiment plat. Et du coup, c'est un peu chiant pour le déplacement. Ici, c'est plat, ça va. Mais bon, c'est un peu moche. Parce que j'aurais bien aimé me faire une base près de ca des cascades. Et il y a des magmazors. Putain, j'étais pas au courant. Il y a des magmazors sur. Ah ouais, sur Lost Island. Ça fait peur parce que je vais être à côté. Passif, passif. Oh, surtout que ça peut lancer des boulettes de feu. Oh purée. Go, go, go. Ok. Ils m'ont laissé un peu tranquille. En plus, ils sont dans l'eau, donc je pense pas qu'ils peuvent m'attaquer dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. On est enfin arrivé. Ah là là. Et c'est super. Donc c'est ici où je vais m'installer. Je pense pas que je vais avoir trop d'ennuis, mais je mettrai des tourelles au fur et à mesure. Là n'est pas le moment. Et la priorité. Donc, pas bouger tous. On va essayer de se faire un argent. C'est ça pour le poids, pour tout, c'est parfait. Lui, il. Bah dans tous les cas, je prends tous les niveaux, mais bon. Vas-y. Et j'ai une petite technique pour les tames. Ah non, ça marche que avec les hiboux. Ok. Ah si, ok, c'est bon. Tu tournes autour. Et c'est bon. Voilà. Moi je fais pas de piège, hein. À part pour certains dinos comme les golems et tout ça que j'ai jamais tamé encore. Mais j'ai déjà essayé avec le Carquinos. Je l'ai pas tamé, mais voilà, je ferai des pièges que pour des gros dinos comme ça. Et j'ai un petit problème. Au revoir. Purée, j'ai dépensé plein de flèches pour rien. Bon, on va se faire celle-là. Quoi? Niveau 50, déjà ça va déjà utiliser moins de flèches. Ok. Oh purée, ok c'est bon. Donc ouais, j'ai des petites techniques comme ça là. Pour pouvoir les tam, les dinos volants. Allez. Ok. Donc voilà. Il commence déjà à fuir l'autre, ça m'énerve parce qu'il est tombé dans l'eau. Voilà, il va me falloir du coup l'autre qui sera mort, il va me donner de la prime. Ah ça va. Ouais, de la prime. Voilà. Voilà. On va un peu. On va améliorer le poids, je pense. Et l'énergie. Le max niveau, je crois, pour moi, c'est 105. Et après, il y a les notes d'explorateur que je ferai jamais, je pense.
C'est trop long et j'aime pas. Je veux pas m'embêter avec ça déjà. Et voilà. Donc je vous fais une petite ellipse le temps que je le tame. A tout de suite. Re. Donc voilà. On vient de le tame. Niveau 74. On va le mettre en neutre. Avec une vie pas ouf. Une stam assez correcte, je pense. Et un poids bof. En tous les cas, c'est les premiers et c'est pas un non plus. C'est pour le début. Donc je prends tout. Donc on va se faire une selle pour argente et une selle pour le trisser. Argent ta vis. Argent ta vis, je l'ai pas. Argent. Non, je l'ai pas. Et trisser. C'est bizarre ça. Triceratops. Et argent. C'est. Ah, j'ai pas encore le niveau pour. Mais trisser. Il me faut du coup pour le trisser la fibre et du bois. Donc, j'ai tout ça. La fibre et du bois. Donc, tac, triceratops. Et voilà. Donc, la priorité, prochain tam, je pense, ça va être vraiment. Il me faut un raptor. Je pense. Et aussi un ankylo. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. C'était. Auteur, et n'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao!